Alors, Beoxy sur la kettle, ça va bien, je vois bien que tu n'arrêtes pas de mater mon tac. Fais gaffe. Quoi? Mon tac. Mon tac, c'est quoi un tac? Je sais pas, mon take, mon tac. Mon taquet? Every breath you take. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Nouveau sort J'ai redépassé encore? 95. Oh putain, un nouveau Mais je masque, suis à c'est la quoi ce ramasse bordel? ou ça se passe comment en fait? Ah oui, je suis 93, j'ai zéro expérience. Un masque de On quoi? zappe. Zap. Bah je Oui, regarde. mais c'est quoi un tac? Je sais pas. T'es en Il y a un suédois, mec qui merci, c'est un s'appelle tac même. Takes. Ah bah c'est pas nous ça. Ah, c'est pas nous, hein. Nous c'est Imagiro, Jekivasan, Diakipon et Fiara. Donc Take. Ah je l'ai vu, c'est Takeshi Uzumaki ou je sais pas quoi. D'accord. Après c'est vrai que j'aime bien regarder les ornements des gens. Hein. C'est pas. C'est pas pour vous embêter, c'est que j'aime bien regarder les différents ornements qu'il y a dans le jeu. Aïe aïe aïe. Je comprends pas de quoi vous parlez, mais c'est pas grave. C'est ben, quelqu'un qui parle sur le stream, oh là là. Ah! Bon! Il y a un nouveau masque! On fait quoi? Moi je demande à Beoxys, tu passes tout ton temps aux apps de sa arrache en fait? Bah, il doit peut-être Parce que attendre du ses coup on se potes défie ou. là. Je sais pas, tu vois, en 1 heure et demie. Bah, il fait ce qu'il veut! Oui, il fait ce qu'il veut, mais je demande. D'accord. Je comprends. Alors, on Alors, va faire peut-être la qu'ils attendent un quête. avis de recherche, j'en sais rien. On va faire la Au quête l'eau saloon. douce et l'eau dure. Ok. L'eau douce et l'eau dure. Oui, au saloon, Pas cher Pandala? y a Non. quelqu'un qui. Voilà, c'était la question. Linka demande anonyme urgente. Il y a quelqu'un qui du saloon qui dit allez à Pandala acheter de l'alcool Oui. fort. Bon, on va Vous pas voulez le qu'on la faire. fasse? Ah, bon. Ben, Non, moi, j'ai mais c'est fini juste pour. que si vous êtes passé devant, voilà, enfin, j'ai pris la quête, quoi. Ouais. Retournez. Oui, c'est une chose là, j'ai oublié. C'est Alibaba qui le dit. Comme vous voulez qu'on aille où? Moi, je suis à Carl et Eric. Carl Eric. Ouais, je suis pareil. En 17-58. Bah, de toute façon, il nous demande d'aller chercher la carte de la source souterraine. Pourquoi le masque, je peux pas le mettre dans ma. Ah non, d'accord, ils sont liés. Ah, c'est qui la personne que j'ai défiée tout à l'heure? Le combat était si intense. Ça, c'est Jake. Jake. Tu peux avoir des précisions sur un sort, Louis? Oui. Oui, qu'est-ce que tu veux En savoir? gros, Oui. mon premier sort, c'est Masque du Pleutre. Oui. Oui. Là, j'ai débloqué le sort qui est à droite, là. Oui, la variante. Ah, la C'est quoi variante. cette variante? En fait, tu peux choisir soit entre le sort de base, soit la variante. Tu peux pas prendre les deux, c'est soit l'un, soit l'autre. Ah, on peut cliquer, d'accord. Oh, ouais, C'est vrai que non, tu je préfère connaissais le pas, truc toi, de les base. variantes. Bah, voilà. Vu qu'on est tous là, il faut aller où maintenant? Mais vous en êtes à quelle étape? À découvrir la carte de la source souterraine. Ok, Tout alors le monde est pour. à cette étape? Ouais. Non. Parler des points d'eau? Oui. Vas-y, ouvrir la carte. Pour C'est répondre à bon. Beoxys dans le chat, en fait, Imajiro, Yakipon et Fiera, donc lui, joue à Dofus depuis un bon moment. Moi, je connaissais absolument pas. Je suis plutôt joueur de World of Warcraft. Et voilà, enfin, on est un groupe de potes depuis très longtemps. Et ils m'ont forcé, mains et poings liés depuis cet automne à jouer à Dofus. Donc voilà, je découvre vraiment l'univers, j'y connais absolument rien, je pose énormément de questions, je fais pas mal de conneries aussi, mais je trouve ça très rigolo au final. Bon, Voilà, bah tant mieux, si tu t'amuses, c'est le plus important. au début pas trop, hein, je tatillonnais, mais là depuis un bon moment, ouais, je prends du plaisir à jouer. Tant mieux, c'est ce La qu'il faut. preuve, j'ai pris un abonnement de 6 mois. Aïe, aïe, aïe. Bon.
Après, pour Imajiro et moi, donc Yaki, ça fait. On a fait une énorme pause de Dofus, donc on doit avoir, allez, 4-5 ans de retard. On va dire ça Oh, comme ça. je crois que tu peux monter Oui, encore plus toi, on pour peut moi. augmenter un peu plus. J'ai repris dernièrement, vite fait, avec Loulou. Parce que lui, il joue depuis 15 ans, genre, sans déconner. Et ouais, Onze. on a un autre perso sur Pandore niveau 200, donc je voulais parfaire un peu Merde, je vais y arriver. Lore. Ouais, le lore et puis les exploits. Et ouais, à 4, on a décidé de repartir à zéro tous les 4, vu que ben, déjà il y avait un nouveau joueur. Et surtout sur ce serveur, tout simplement pour avoir l'aspect un peu communautaire. Parce que. Enfin, après, ça n'engage que moi, mais les gens qui jouent 4-5 comptes. Ça me plaît pas. C'est, je préfère. Enfin, moi, j'ai vécu l'ancien Dofus où t'avais allé un perso, voire deux par personne, et tu pouvais vraiment demander de l'aide, faire les donjons ensemble. Enfin, c'était beaucoup plus cool d'avoir cet aspect communautaire. Bref. Parenthèse terminée. Ouais, et il précise que entre potes, c'est le meilleur truc d'Offus, Ouais, et j'ai vu, pour mais l'instant, oui, oui, non, mais Dofus à plusieurs, c'est. Ben, en fait, un ouais. MMO de base à plusieurs, c'est beaucoup plus sympa. Oui. Ça, c'est clair et net. Ok. Que lançons-nous? Il nous reste une petite Faut aller demi-heure. moins 20, moins 61. Moins 20, Moins moins 20, moins 60. 61. Non, 20, moins 61. 20, moins 61. Moins 20, moins. Attends. Un côté à droite du donjon. C'est Ouais, ça. c'est ça. Ben au passage, je vais ramasser les os C'est qui me demande ça. Et là. pour la quête. Pas beaucoup de choses, j'allais dire d'herboriste, mais d'alchimiste ou de. Oui, il n'y a pas de Qui ressources font des ici, à part soins. de C'est un la mine, désert, très hein. vite fait. C'est un désert. Bah, dans le désert, il y a des cailloux. Tu vas me dire, sur l'Imotopia non plus, il n'y a pas de ressources. Non. Je savais pas quoi mettre. Bah en fait ils ont mis 2-3 ressources mais dans le truc sous l'eau là. Ils ont mis 2-3 ressources très rares. Je pense qu'ils savent pas comment mettre des nouvelles ressources en fait. Parce que tout a été quasiment implanté. Et sans ces îles, tu peux vraiment passer niveau 200 quoi. Bref, faut aller On dans va la dans la grotte. grotte. Dans la maison grotte. Dans la maison grotte. Il faut faire bidouf. Mais deux fois, c'est Bidou. ça? Vous cliquez deux fois sur Ouais, l'os, oui. faut cliquer 2 fois sur l'os. Et Ok, après, on waouh. retourne à D'accord. Carléric. Il est où déjà? Il est en 17 moins 58. 58. Et passe d'abord en 18 moins 59 pour tes os. Comme ça, au moins, tu auras les 3. Ok. Voilà. Je pense ça en diagonale. Putain, mais c'est lequel qu'il faut? Béoxys, alors il dit, moi aussi j'ai fait une énorme pause de 4 ans, j'ai repris en janvier, j'ai up un perso niveau 200, j'ai fait masse 4 entre janvier et fin avril, et je me suis fait ban pour une raison inconnue, du coup j'ai encore recommencé. Ah merde! Merde. Et j'ai rush le jeu en un mois et demi. Putain, bien joué. Parlez pas trop vite à Karl, parce qu'il y a deux propositions. Ok, donc. Ah oui, c'est vrai, c'est un choix à faire. C'est le 50-50. Attends, parce qu'il y a un choix pour avoir de l'argent et l'autre non, c'est ça? Soit vous déclinez sa proposition et ça termine la quête, soit Ouais. vous écoutez sa proposition et la quête continue et vous gagnez 10 000 kamas supplémentaires. Bon, on va continuer la quête. J'écoute la Ah proposition. De bon? toute façon, j'aurais cliqué sur ça. Donc, C'est que 10 000 kamas. Thomas, tais-toi. Donc, dans ce cas-là, si on continue la quête, on va voir OVH. Dans le Sabloon. Putain, je viens de comprendre pourquoi elle s'appelle OVH. Pourquoi? Quoi? Bah parce qu'elle héberge les gens. Eh ben bravo, c'est pas trop tôt. Temps fort. Ouais, on va le mettre en temps fort. Après 1 heure et demie. Je Aïe. peux vous. Mais ouais, Oui, c'est mais bizarre vous que tu t'es fait. connaissiez sa rage depuis longtemps. C'est bizarre quand même que tu t'es fait ban pour une raison inconnue. T'as fait une réclamation, quoi que ce soit? Parce que généralement, Oui, au ils sont support ou plutôt au cool modérateur. avec ça, non? Non, t'as dit quoi? Au support ou au modérateur, est-ce qu'il a fait une Ouais. demande? Parce que je trouve ça bizarre quand même.
Apparemment, il a fait Ah, réclamation. apparemment, il a fait réclamation. Attends, moi, ça m'aurait fait chier. Tu aurais vu leur réponse. Ah, ils t'ont envoyé chier? C'est pas cool, hein. Slash kill. Non, slash suicide. La réponse incompréhensible. Moi, je me souviens, je leur avais envoyé des mails pour changer le nom de mon adresse de facturation parce que j'avais inventé un faux nom pour pas qu'on me trace sur Internet. Oh, c'était il y a 15 ans, ok? Avant, on pouvait tracer les gens. Maintenant, encore plus, mais... Ouais, Bon, 10 000 camas. ben, il nous reste 5 quêtes. La faune pimentée, le désert de revanche, la demande anonyme urgente, le roi scorpion et son chair et en os. Le roi scorpion, c'est une référence au film La Momie, pour ceux qui ne savent oui. pas. Ouais. J'en ai 5 aussi. Mais il y en a une sixième si on va à la taverne en haut. Ah, la Picantina, oui, c'est vrai. Donc, que faisons-nous là maintenant? Alors, on peut faire. Elle est où? Demande anonyme urgente. Donc, faut il faut aller aller sur à Pandora. Ok. Oui. Et on peut faire un crochet par l'île des Wabbits. Allez, ouais, on va faire ça, ouais. Ils nous auront suivi jusqu'au bout, c'est là. Ah, les Wabbits. Jusqu'au bout, casse aux couilles. Et encore, on n'a pas fini si tu veux aller faire les succès du donjon. Oui. Mais bon, ça, malheureusement, ça sera pour une prochaine fois, genre loin. Alors, Pandala feu, Pandala neutre. Pandala neutre, Pandala neutre. Tu peux toujours pas te téléporter à Pandala feu. Si. Non. Il est pas grisé. Vas-y, double clic. Ok. Voilà. Aïe, aïe. Attends, c'est qui la meuf? Non. C'est une meuf dans Ah, des de brochures. Non. Est-ce que tu peux m'autoriser à mettre un lien? J'ai un screen à te montrer. Oh putain, comment on fait ça déjà? Je ne sais pas comment tu peux faire. Je suis sur le stream tout court, je suis pas sur les outils de Modo. Ben moi je suis sur la fenêtre de chat et j'ai dû quitter les outils de Modo pour pouvoir avoir le chat fenêtré. Je regarde. Ben j'ai envie de dire test, on verra. Sinon MP directement. Ouais, ou tu peux MP. MP et MP, moi il va je le rebalance. Ouais. Ouais, MP et je le rebalance. Parce que moi je pourrais pas. Vu qu'il faut que je ferme toutes les fenêtres internet. Étoile, étoile, étoile. Ah, je pense que mais ça a été censuré. Il a été, il a, non, justement, c'est censuré. Il a essayé de mettre le lien, mais. Ah, c'est bon, il n'y a pas de ban. Bah, on peut pas cliquer. Enfin, c'est on trois peut pas étoiles, cliquer, on ouais. voit, Moi, on j'ai le voit trois pas, étoiles lien, dessus. Les liens sont censurés. Merde. Bah, essaye de. Ouais, de MP. MP, il va son IVS ou IND. Ok, donc on a l'alcool fort. Bon, on peut retourner voir OVH. Eh, ah non, pardon. L'île de Pandora, des Wabita. Ah, mais c'est à cause de Boexis, il nous distrait et voilà, on n'avance plus. C'est une blague, hein. Avant de me faire engueuler. Allez, l'île des Wabita. C'est bon, normalement, j'ai mis les liens. Ok. C'est compliqué quand même, tout ça. Jean Kelly. Donc c'est à Lenald qu'il faudra. Attends, ben, j'attends tout le monde. Non. Oh à Lenald des temps anciens. Ouais. Mais je vais attendre. Je lis son screen. Beoxys nous suit, merci, miaou. Merci. Alors, Beoxys Dofus, il y a 5 jours. Bonjour, cher support, j'ai essayé de me connecter en arrivant au jour du 18 mars 2020 à 16h30. J'apprends avec stupéfaction que j'ai été banni. Point d'interrogation, point d'interrogation. Je n'ai aucun motif de ban, durée de ban, je ne comprends pas. Je me suis connecté seulement ce matin sur Ombre pour voir mes ventes et je n'étais pas ban. Réponse de Lidor, et donc il y a une heure d'après le screen. Bonjour, bon, c'est caché. Nous ne pouvons malheureusement pas vous aider. Nous vous invitons à respecter les règles du jeu, faute de quoi cette situation se reproduira à nouveau. Merci pour votre compréhension, Lidor, protecteur du Kamaz, du Cosmos, pardon, support en Kamaz. Ah, c'est en pas effet, il cool. n'y a aucune raison. Bah, j'ai l'impression que c'est une réponse automatique en ouais, fait. Ouais, on dirait limite. Ah, c'est trop moche. Ah, moi je les aurais harcelés. Bah franchement ouais je... Mais qui je donne la... une raison dans ce cas-là? Qui disent bah, oui bon voilà ouais. Par exemple t'as fait une connerie à ce niveau-là, t'as dit un truc qu'il fallait pas, là je viens de comprendre. Mais qui te disent qu'il y a... Ouais non on respecte les règles du jeu, ça craint quoi. Bon. C'était pendant le confinement, ah peut-être, ouais. Ben...
J'ai envie de te dire réessaye, maintenant que le confinement se calme petit à petit, on ne sait jamais. Ils étaient trop occupés à se rouler dans les billets. Non, ils étaient plutôt occupés à faire tourner les serveurs comme il faut, je pense. Parce que et ça a été le bordel. Bon, on est tous sur l'île des Wabbits ? Non, non, j'arrive. Ok. J'arrive. Pas de soucis. Il y a qu'un TP, c'est ça ? Moi et toute ma équipe, je ne sais pas pourquoi je suis man. Bah, soit il fait un appel téléphonique, je pense qu'il aura plus de réponses que parler. Peut-être, ouais. Parce qu'on ouais, c'est une tente, hein, parce que sans déconner, tu peux appeler le serveur par le... Quel enfoiré, quoi. Bienvenue sur le service Allopass dans Kama Games. Il contacte un modérateur, mais... Ouais. Je sais pas si ça date un peu, je pense qu'il aura pas forcément la réponse, le modérateur. Bah, je sais pas, parce que... Après, tu peux être sympa et dire, bon, voilà, j'avais tenté, je pense que vous étiez occupé avec les serveurs durant le coronavirus, bon. Essaye de voir, mais ouais, moi, enfin... À ta place, j'aurais envoyé un mail pour au moins avoir une raison. S'il y en a pas, qu'il te débanne, qu'il fasse quelque chose, quoi. Parce que c'est quoi en dire, t'as payé un abonnement, t'as respecté les trucs, même si t'as payé 5€ d'abonnement, je m'en fous, quoi. Enfin, c'est... Je trouve que c'est pas cool de leur part, sur le coup. Si c'est une réponse automatique parce qu'ils avaient des choses à faire pendant le confinement, ok, je veux bien le comprendre, y a pas de souci, on a tous eu des problèmes, mais là, maintenant, enfin, je trouve ça bizarre. Bon. Du coup, on pense tous que je me suis fait ban car ils m'ont pris pour un bot. Ah, merde. Oh, enfin, ça... Ça se voit entre les actions d'un bot et les actions d'un joueur. Fin... Gotta go fast. Bon, après, t'es trop rapide. Je suis limite mieux que sur mon ancien compte. Ah, bon. Bah, si tu t'y retrouves d'un côté, j'ai envie de dire tant mieux pour toi. Mais ouais, ça craint quand même. Hein. Ah, pendant ce temps, vous faites tous le truc et moi, je suis en train d'écouter tranquillement et il passe 95. Mais putain, mais... Attends. Par contre, il y avait aucune incidence sur le fait que soit nous, soit le Lénald était gagnant ou vainqueur. Non. En fait, okay. On l'a... J'ai juste joué avec lui. T'étais pas là hier, mais je crois qu'il disait qu'on faisait que perdre, c'est ça ? Non, moi j'ai gagné une partie. Non. Ah ouais ? Non. Si tu perds, bah tu gagnes, ça termine pareil. J'ai gagné qu'une manche, après il m'a battu. Allez, on commence la manche. Je vais jouer 3 cartes pierre. Oula. Bah, tu dois choisir 5 cartes. Je joue 2 feuilles à côté. Oui. Et alors ? Il faut lui reparler, et après il faut lui reparler pour savoir qui a gagné, et après tu dois le faire 3 fois. Retourner les cartes. Voyons si la chance du débutant est avec toi. Ça m'aurait que je sorte vainqueur. Merde ! Je le refais. Je commence la manche. Vous ne pouvez pas démarrer une quête déjà en cours. Quoi ? Non, t'inquiète pas. Ah, okay. C'est normal. Bon, ben je vais jouer 5 pierres. Ah oui, quand même. Ouais, bah écoute, à un moment donné, hein, c'est long. Et il est vainqueur. Je commence la manche. Je joue 2 cartes pierres. Et je vais jouer 3 cartes ciseaux. Attention. Je viens d'activer ma carte piège, Yugi. Ah, j'ai battu. Ouais, bon, ben... J'ai gagné une fois sur 3. En tout cas, vous êtes bien sympa et votre manière d'aborder le jeu est vraiment cool. Bah, en fait, on part sur une optique de découverte totale, du moins pour un de nos membres. Ouais. Et bah, on essaye de faire découvrir le jeu petit à petit. Heureusement que Loulou, il connaît le jeu pour pouvoir faire des résumés de ce qu'on fait. Tout simplement parce que nous, on connaît un peu, on essaie d'aller vite parce qu'on fait des sessions de stream de 2 heures à peu près. Mm. Que ça soit un peu digeste à monter pour notre ami monteur, coucou. Et puis on essaie de pas trop s'en dégoûter, et puis on commence à se faire vieux, donc on fatigue. Oh. Je vous emmerde. Hello Jake, c'est Plagues, tu es sur Elisael, c'est bien ça? Exactement. Salut, Fahrenheit Plagues, oui c'est ça. Et Metal aussi, au passage ton pseudo. Plagues. Oui, ça fait longtemps Fahrenheit. Et oui, après pour compléter un peu par rapport à ce que tu disais, Beoxys et donc Yaki, Iva Sand et donc Iva Sand Studio à l'origine c'est quand même une association qui existe vraiment, hein, c'est pas rien. Il y a plein de choses qu'on fait à côté.
Et ce qui concerne nos streams jeux vidéo, d'une manière générale sur tous les autres jeux qu'on fait, c'est de la découverte. C'est de la découverte, c'est de la bienséance, c'est de la bienveillance surtout. Pour dire qu'on peut jouer d'une, enfin, on n'a pas besoin de rager comme Sardoche par exemple pour se dé. Enfin, c'est pas gentil pour jouer à des jeux vidéo. Forcément lui. C'est l'exemple le plus exagéré, voilà. Bah, c'est justifié en même temps. Mais voilà, nous, c'est vraiment être tranquille, au calme, entre potes et parfois avec deux, trois invités. On n'est pas très connus, mais c'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment partager ces valeurs-là et c'est le plus important. Et dans nos autres activités de l'asso, en dehors du jeu vidéo, c'est ce qu'on fait aussi de toute façon. Voilà. Où allons-nous ? Tout le monde a fini les Wabbit ? Ouais, j'ai fini les Wabbit. T'as le titre Kawater ? Ouais. Ah bah tiens, je vais le mettre. Oui, pareil. On peut retourner sur Sarage, du coup. Ouais, on retourne okay. Sur Sarage, voir OVH. Et on sort pour aller voir Alibaba au Rome. Et on attend que Jake lance le combat parce qu'il va pas lire. Mais. Ah, c'est drôle. J'essaye de lire. Au début, je lisais tout et je ralentissais tout le monde. Bah, tu ralentissais pas tout le monde parce que bah, tu découvres. Donc, y a pas de souci. Puis t'as le droit de lire quoi. Enfin, tu vas pas créer un autre perso en parallèle non. Juste pour lire les quêtes. Non. Non, je vais éviter. Ali machin, il est là-haut, c'est ça? Non, il est dehors. Oh. Oh, mais il fait chier, c'est bien. Ouais, il est dehors et on va devoir battre beaucoup de gens. Beaucoup. Bah, ils sont 4-5, je crois. Ils sont 5, ils ont. Ah, vous respectez la distanciation sociale, c'est bien, oui. Je vais me faire une case pareille à côté. On est le geste barrière. C'est pour ça aussi qu'on est bienveillant, c'est parce qu'on est un peu con. Alors, en tout cas, moi je vis aux Apsarages, donc quand vous n'avez rien à faire, venez squatter, bientôt légende. Ok. On y pense pas. Pas de soucis. C'est drôle. Il doit dépenser beaucoup de kama à chaque fois qu'il doit aller à Brakmar ou à Bonta. Putain, oui, au moins du 1000 kama le voyage, miam. Mais quoi, quoi. Après, il a dit qu'il avait utilisé un bot mineur. Bon. Il a dû se faire mastude. Et se faire bannir. On pourra le mettre en temps fort, en trash talk un viewer. Pour une fois que c'est pas le contraire. Ah, t'as l'autre fois, ouais, c'est vrai. Il a 900 potions de rappel. Bon, ah ouais, c'est pas mal. Putain, mais toute l'ortie et la sauge, oh mon dieu, j'ai mal. Ouais, je dois avoir ce qu'il faut dans la main. 900 Ces métiers ont été seulement niveau 20 max. C'est une blague, t'inquiète pas. Aïe, aïe, aïe. Que allez, 900 toi, je me souviens à l'époque de la 1.29, j'avais fabriqué 10 000 potions de rappel. Mais à l'époque, ça coûtait rien à faire. Ouais. Je les ai toujours pas toutes dépensées, hein. Il me reste 5 000 et quelques de. Mon dieu. Je sais que sur la 1.29 qui était ressortie, bon, la potion de rappel coûtait super cher et une semaine après, plus rien. Ouais, c'est bizarre. Mais en même temps, c'était le marché, quoi. Ça doit faire 6-7 ans que j'ai pas acheté de potion de rappel, moi. Oh, du con. Divisé par 4. Oh, le bruit du mystique. En plus. Divisé par 4. Ah, y a... Non, mais elles ont pas une date de péremption, t'as besoin de rappel. Les DLC, quoi. Les DLUO, peut-être même. Oh. Ah si, je pense pour un truc correspondant à une potion de rappel, je pense pas que ça soit une DLC, mais une DLUO. Je sais pas. Bon. Ah, il est invisible, il est au milieu. Je crois qu'il s'est fait tacler. Il est vraiment DLUO. Je vais pas tacler quand t'es invisible. Ah merde. Bon, ben... Il est loin. Non mais c'est pas grave, tape ton frère UU. Regarde, il est là UU. Moi, je veux bien avoir la même tête que Marcel Lupin. C'est une tête de...
Putain, c'est quelle coiffe ça? Ouais, la coiffe du Mulou. Ah, merci. Oui, mais c'est niveau 80 ça, non? Non, mais oui, tu peux l'équiper. Tu peux avoir une transmogrification. Ah, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Je peux utiliser un mimibiote. Ah, voilà, oh là, le mimibiote. Allez, meurs pas. Mais pourquoi voilà. Meurs pas? T'as un combat. Bah, le challenge. On s'en fout, c'est un combat mais, de quête. Mais le challenge, c'est. Ah non, c'est toi j'ai compris le challenge à l'envers, j'ai rien dit. Bon, d'accord. C'est pas grave. Comme d'hab. En plus, tout à l'heure, on avait un combat de quête et il n'y avait pas de. Ça dépend des combats de quête. Là, c'est juste pour avoir de l'XP à balle, je pense. Même. Sarah Knight sur le chat, DLC comme date limite de consommation, en effet, mais c'est vrai, si tu consommes une potion de rappel vieille d'une décennie, c'est pas garanti que t'en sortes indemne. Bah, si, c'est comme si c'était le. C'est comme si tu utilisais le chemin de traverse, mais de travers, donc. Attends, quoi? Référence Harry Potter, non, chemin de traverse. Oui, mais ça existe vraiment cette phrase dans le film ou pas? Non. Oui? Ah oui, chemin de traverse, oui, ça existe. Non, chemin de traverse? Chemin de traverse, mais. Bon, je fais ma phrase comme il faut. Vas-y. Avant de m'énerver. Je disais donc, Jake vient de dire utiliser le chemin de traverse de travers. Est-ce que dans le film ils font cette vanne ou pas? Ça m'étonnerait. Non, c'est. J'ai, au lieu de dire chemin de travers, il dit chemin de traverse. Non, c'est l'inverse. Non, dans le film, c'est le chemin de traverse. Sauf que si tu l'utilises mal et que tu prononces mal ta destination, tu arrives à une autre destination. Donc tu utilises le chemin de traverse, mais voilà, c'est. Mais non, le chemin de traverse, c'est pas la rue marchande. Si. Bah tu le dis pas, le nom. Tu tapes sur la brique. Ah merde, non. Mais c'est quoi le truc dans la cheminée là? Bah il dit chemin de travers au lieu de chemin de traverse. Ah bah voilà. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Oh putain. Ça se voit qu'on est tous fans du Seigneur des Anneaux, hein. Non, c'est pas vrai. Oh putain. Ah oh, les idiots, quoi. À toi de jouer. Oui. Bzzzt. Oh mais c'est oh, dégâts, mais c'est incroyable. Mais putain, mais moi aussi je veux faire ça. Moi aussi je veux changer de panneau. Non, tu vas devenir un Zobal. Être nul à chier. Hey, Jake, vu que t'es niveau 95, t'as une première variante. Ah bon? Oula, attends, là tu lui as parlé chinois. Le pauvre. Va falloir que tu regardes tes sorts à la fin du coup. D'accord. Non! Zouf. J'ai dit. T'es vraiment un con. Ah merde, dirait Slot, il est où? Il est devant toi? Non. Ça aurait été très marrant. Non. Regarde, il est pas là. Il est par là, je pense. Je sais pas où il est. Voilà. Ah mais bien joué. Bravo. Il a chié le châle à la fin, quoi. Mais quel enfoiré, quoi. T'as pas fait mieux hier. Hein. J'ai fait n'importe quoi. Ça a pas mis la quête à jour. Mais si. Ah non. Non. On peut pas les laisser faire. Oh non. C'était quoi? C'était demande anonyme? Ouais. Vas-y, Yaki. Je le fais? Ok. Fais dans l'ordre de la map. Allez, ok. Dans l'ordre de la map. Oui, ben on dans est... Dans lequel on est rangé. Oh là là. On s'est garé, là. Ah, putain, non. Les idiots. Si j'ai pas tout réagi, non, c'est pas grave. Utilisez tous les points d'axiom. Ouh. Ah, bah d'ailleurs... Attends, il est toujours là? Oui, il est toujours là. D'ailleurs, Beoxys, si tu veux, en cas, demain, on est censé streamer du Minecraft Dungeon. On va tester, voir ce que ça donne. Ouais. On l'a juste lancé pour voir si on pouvait le streamer. Normalement, ça devrait passer. Ouais. Donc, on va tester ça, on va voir ce que ça donne. Ça a pas l'air mal, en vrai. Non, ça a l'air sympa. Putain, mais plus je le vois jouer le panda, plus je me dis, ah, j'ai envie d'en faire un. C'est rigolo les pandas. Tu passes ta vie bourré. Littéralement, hein. Mais c'est un peu un cliché, je trouve. Dans les la plupart bourrés. Des jeux où il y a des pandas. Que les pandas soient bourrés, ouais.
Sauf moi, je les ai jamais vus bourrés. Hein. Mais ça sort d'où ce mythe en fait? Je pense que c'est chinois. Enfin, on va dire asiatique, comme tout le monde ça englobe tout. Je pense que c'est un truc comme ça. Hein. De toute façon, je vois pas d'autres explications. Je dois tester un jour. Ok. D'accord, Flags. Ok, j'ai reçu ton IP. J'y penserai. Allez. Aïe, aïe, aïe. Ah, il me tacle, lui, là. Ah, mais il y a quelqu'un devant moi. Eh ben, il y a Alibaba. Il y a Maïro. Non, c'est pas mayonnaise, arrêtez. Mais bon, ça va, il nous a bien fait chier, ce perso. Et c'est pas fini, hein. Ah oui, c'est pas fini. Oh. On est à la quête 30, et il y en a 100. Hein. Il y en a 100. 30, c'est tout? Ouais, okay. C'est déjà pas mal, je trouve, 30. Hein. J'ai l'impression d'en avoir déjà voir fait 100, quoi. Et non, du tout. Mais alors, pas du tout. Dès qu'on a fini les... Ça arrache, on reprend... On reprend mayonnaise. J'espère que vous êtes heureux. Mais juste pour être spoil, il se montre quand même de plus en plus décomplaisant, on va dire ça comme ça. À la fin, on le combat? Non, toujours non. Pas. T'as déjà posé la question et je t'ai déjà dit non. Mais je veux le combat à Trim Soul. Merde. En fait, au début, c'est comme si on était un soldat de l'armée de Monta, en fait. Donc, et au début, il nous traite comme une petite merde, en fait. J'ai jamais vu un tas aussi grand. Plus on va faire de quêtes, plus il va nous donner des missions importantes et difficiles. Parce qu'on va être les meilleurs, tu vois. Genre ramener des cadeaux pour sa nièce. Pourquoi tu tapes dans le vide? Mais j'ai pas pu avancer sur la case de à côté. En fait. C'est parce qu'il y a Alibaba au Rhum. Tu sais, il y a toujours le truc invisible là qui traîne. Bah, si j'ai pas pu avancer, que j'ai visé pile dessus, pourquoi est-ce qu'il a pas pris de dégâts? Peut-être qu'il était sur une autre case de ton chemin et que t'as pris un autre itinéraire et que tu t'es trompé de case. Peut-être, hein, oui. Je sais pas où il était. Okay. Donc, aïe aïe aïe. Là d'ailleurs, t'aurais pu faire perception, ça aurait bien fait chier. Mais bon. Ouais, j'avoue. Ah oui, il reste encore invisible 3 tours. En fait, il reste invisible tout le temps, Alibaba au Rhum. Si tu le laisses faire. C'est un lâche. C'est un SRAM. Je vais pas dire c'est un lâche, je vais dire c'est un SRAM. Ça fait partie de son credo. Et non, c'est pas mal, c'est le gros credo. Putain. On peut pas avoir une discussion sans. Dites-vous qu'à partir de 70-80, ça prend autant, voire plus de temps que de faire un 80. Une discussion sensée, ça fait une discussion. Ah, les quêtes d'alignement 70-80 prend autant de temps. Ah oui, d'accord. Ah ben, il nous tarde. Je vois, quoi. Il me tarde. L'autre, il pète un plomb tout seul, on le laisse faire. Hein. Mais non, il y a quelqu'un qui a rigolé en même temps. C'est lui, non? Un peu, oui. Un peu. Ah, voilà. Un peu. Bon, j'avoue, c'est pour un faire peu. Plaisir. Hein. Non, parce qu'il m'a dit que Thomas il a balancé ça et personne l'a écouté. Moi je pourrais l'entendre gonfler, mais. Bon, mais allez, qu'est-ce que t'as dit? C'est ta minute. Mais pourquoi t'as dit ça, Thomas? Mais parce que c'est Eric qui l'a dit. Ah bon? Oui. Et on a parlé de. Oui, mais ils n'ont pas dit la suite de la. de la blague. Non, il a dit non, c'est pas Pumba le vieux crado. Putain, c'est fou, on peut pas avoir une discussion sensée. Oui, voilà. Exactement. Mais Thomas, il a rajouté un truc après. Ah non, ça j'ai pas entendu par contre. J'ai entendu qu'il a dit quelque chose et qu'il a rigolé très fort. Mais j'ai pas entendu ce que c'était. On te laisse parler. Et du coup, une discussion sensée, ça fait une discussion. Oh, voilà, d'accord. Si j'aime bien. Si j'aime bien. Ça, allez, on la relèvera. On la relèvera, ça fera un temps fort, ça m'en fera deux de moins à faire. Et c'est à moi. Alors, apparemment, encore pour finir les... Il y a 4, hein. Faut être niveau 199-200. Ah oui, d'accord. En fait, les 4 oui, les dernières niveaux, on va partir jusqu'au niveau 200, quoi. Ah oui, oui.
Ne vous inquiétez pas. C'était prévu. J'en connais un qui est super content. C'est sur mon plan. Moi, je m'en vais par contre, parce que j'ai pris très cher. Je vais mettre là. Les gens me racontent que la 100e quête d'alignement se passera sur Vidéo Hobbit. On repart sur Incarnam. Waouh. Ça serait drôle, en vrai. Pas. Pourquoi pas, franchement. Genre, fin du jeu de Dofus, tu repars sur Incarnam. Fin du jeu, terminé Wakfu. Le but, c'est d'aller agresser un joueur niveau 1. Montrez-lui ce que vous avez dans le ventre. Ok. Tu souffriras comme j'ai souffert. Ah, j'aurais dû aller là-bas. C'est horrible de dire ça. Ouais. Ah, alors que Draken vient de faire Corailleur Magistral, Hardy et Blitzkrieg. Putain. Eh, mais t'es énervé, Draken, aujourd'hui, ou quoi? Non, mais attends, Hardy sur le Corailleur Magistral, c'est pas évident, évident, hein, soyons honnêtes. Genre, le Corailleur Magistral, au cas qu'il t'oise, donc. Faire Hardy dessus, ça peut. Enfin, voilà. Qui a dit de dire Hardy? Qui a dit de dire Hardy? Vous m'avez dit de dire Hardy. Vous m'avez dit. Y'a pas une quête comme ça sur Dofus d'ailleurs? Qui a dit de dire Hardy? Je sais plus. Tiens. Si, si. Ouais, ouais, ça c'est, chose, c'est, hein. Sur, c'est sur Incarnam. Ah. Bon, allez, deux. Je crois que. Casse bonbon. Hein. Même pas. Ah bah, on va focus, hein. Là qu'on a un niveau 200 parmi nous. Beoxy, j'ai une question. Est-ce que tu connais les Osamodas? Si oui, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi l'Est spirituel c'est devenu de la merde? Moi je me rappelle, on invoquait nos alliés, c'était cool. Là maintenant t'as 2 PA, t'as 1 PM et tu te fais chier quoi pendant 2 tours. Donc ça sert à rien, autant faire un tofu. Je crois. Ouh. Ah, c'est dommage qu'il soit taclé là, Jake. Ouais, j'aurais bien voulu faire une triade. Oh, bah écoute, ton mort va ramasser. Voilà. Je suis mort. Comme un moins que rien. J'aurais pas du tout voulu faire ça en fait. Moi, c'est pas grave, mon point de vue. T'as de la chance, je vais le faire qu'une fois. Bah, c'est pas grave, j'ai mon point de vue. Oh là là. Bah, lui, il aura pas été invisible. 800, 1002. Il est nul. Alors, il y a 4 mois, c'était encore plus de la merde. Mais effectivement, c'est bien de la merde. J'aime quand vous parlez avec des arguments constructifs. J'adore ça. Ah, moi, ça me plaît comme réponse. J'aime beaucoup. Attends, parce que je vais regarder la variante de l'S spirituel. C'est quoi? C'est feu sacrificiel. Ah ouais, mais c'est pas mieux. Pff. C'est le truc pour chaque tofu, bouffe tout, crapaud, dragonnet, du lanceur, mort au combat, maximum 20. L'invocation ciblée, subit un pourcentage de sa vie et soigne les autres. Ça peut être bien, mais je sais pas trop comment ça fonctionne. Bon, on verra. Bon, j'ai pas une quête qui s'appelle. Qui a dit de dire Hardy dans mon. Dans ma liste. Ah ouais? Attends, je vais regarder, de toute façon, j'ai que ça à faire, je suis mort. Alors, on va mettre Hardy. Y'a rien. Ben oui. ARDI peut-être? Non, le gardien du pont de la mort, c'est pas ça. Hardy avec un Y? Non. Y'a pas. Thomas. Et c'est bizarre? En fait, les Ossa gardent l'aise spirituel mais s'en servent pratiquement jamais. Ben ça, je viens de voir. Hein. Parce que autant faire une invocation style, bon, ben, pour moi, tofu parce que je joue R, mais. Autant faire un truc utile. Ça me dit quelque chose. Oui, mais moi aussi, ça me dit quelque chose qui a dit de dire Hardy. Peut-être sur Wakfu. Non, non, non. C'était pas sur Wakfu. Bon, il nous reste 2 minutes. Est-ce que c'est le dernier combat ou il faut en refaire un autre? Non, il faut en refaire un autre. Bon, on fait l'autre combat et... On peut le faire hors stream. Hein. Non, on va le faire, celui-là. On va le faire, on finit. Ah, chef de BG sur WoW. Qui a dit de dire Hardy? Ah ouais? Oui, oui. Chef de? D'un champ de bataille. Au fait de... Mais non, un au fait de... Ah oui, de BG, pardon. J'ai pas lu toute la phrase.
Sur WoW ? Ouais, sur World of Warcraft. Pourquoi je connais ça ? Bah, je sais pas. Mais ouais, moi qui a dit de dire Hardy, j'ai dû le faire. Ouais, sur. C'est dans les. Sur WoW. Ça, ah, alors je vais autoriser parce que bon. Je l'autorise, mais normalement, petite oui. Merde, ça a été. Ça a été striké. Attends, mais vous l'avez tous les deux droppé la bière ? Et on l'a tous droppé. Ça doit être ma troisième. Bah. Mais c'est quoi la quête qu'il faut faire en fait ? Bah, Baba Rome. Si ça se trouve, c'est comme l'autre. Ouais, me dis pas qu'on est en train de le refaire. Moi, c'est bon, ça a été validé. Quête terminée, demande anonyme urgente. Vous aussi ou pas ? Non, moi, il me faut aller voir Alibaba Rome. Hey, il y a Plaques à côté de nous. Ne bougez pas, s'il vous plaît, ne bougez pas. Comment on fait pour afficher tous les noms en une fois ? Z. Non, les noms non. De nous, tu veux à dire nous. Ouais. C'est P, je crois. Ouais, P. Parfait, ne bougez Plaques pas. Plaques, c'est qui Plaques ? C'est un pote à Guillaume. C'est un contact d'Ivalis de notre serveur WoW à l'époque. Puis on a gardé contact depuis. Donc il veut faire copain-copain avec lui. Mais dépêche-toi parce que la mouette elle est en train de me taper sur le système et pas sur la barque. C'est bon. C'est bon. C'est bon ? Oui. Ok. Ah bah y'a. Attends, y'a Boxis qui arrive. Draken, ramène tes fesses. Où est Draken ? Ah oui, d'accord. Où est Draken ? Oui, mais il y a Talisman et Alibaba Rome au milieu. Mais je les vois pas, moi. Ah oui, t'es en petit. Bah, c'est sa guilde qui a l'icône U, parce que c'est hyper U. Draken, t'es dans le chat ou pas ? Ah, je pense qu'il a dû partir. Ah, mes oreilles ! Désolé ! Je t'ai vu sortir ta fourche et faire nyeek. Olé les gueux! Ah là là! C'est très drôle! Je m'attendais pas! Ah, ouais, c'est bon, ça ira, tant pis, c'est pas grave. Allez, bon, on fait le dernier combat et on arrête. Pourquoi Plaques il a un bracelet ventré? Pourquoi il se prend pas un objet plus haut level? Mais il fait ce qu'il veut, s'il faut, c'est de Il t'en pose des questions! Déjà, un, voilà! Et puis de deux, s'il faut, c'est de la cosmétique! Un anneau, je pense pas. Non. De suite, il critique. Non mais c'est fou, ça. On a des amis, on s'amuse, et de suite, tu casses l'ambiance. Non mais c'est fou. Ouais. Je un peu sur son stuff. Ouvre le combat, si on peut. Pardon ? Ouvre le combat. Ouais, c'est fait. Voilà, non. Comme ça, Plaques, si tu veux. Si c'est possible. Ne plus restreindre. Mais non, il faut qu'il soit... Ah oui. Bah non, j'ai mis ne plus restreindre. C'est bon. Ah, c'est pas moi. Ouais, comme ça, moi, ça va aller plus vite. Oh putain ouais. Un sacrieur bien monté. À ne pas prendre hors du contexte, s'il vous plaît. Apparemment, Plaques est pauvre. Ah. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il a cet anneau. Il a gagné 2300. Ah, ben on peut pas tout savoir du Louis Vuitton. Hein. Par contre, Beoxys, il a un Prisma Radit, ça coûte bien cher, ça. Bah, en même temps, il a dit qu'il était riche, donc. Oui, parce qu'il avait utilisé le bot. Oh là là, on est des cons. Regardez, bientôt Fiery pourra faire ça. Ah non, pas du tout, parce qu'il est terre. Oui, c'est un sacré terre. À moi ! Qui a aussi un anneau chevelu niveau 180. Pourquoi il prend pas un anneau plus haut level, purée ? Oh putain, mais laisse les jouer ! Le mec, il va dire, ouais, mais moi je connais le jeu, fermez-la. Non, mais il peut prendre ça, il peut se prendre un anneau crustique. Un anneau crustique. Eh ben, au moins le combat fut rapide. C'est cool. D'ailleurs, attends, quelqu'un doit partir là. Tu dois partir, Guillaume, après là. Je pars à 18h, donc voilà. Ah bah attends, j'ouvre la porte à 18h. Est-ce que ça vous tente, je le dis là maintenant avant qu'on coupe le stream, s'il vous plaît, de nous aider à faire les poudres là, les combats relous. Avec Beoxys s'il veut bien et Plaques. Comme ça au moins les combats vont aller très vite. On n'aura pas besoin de farmer genre à 1h du matin comme des débiles. Ouais, ça vous tente ? Enfin, moi je suis dispo. Je vais juste faire un pissou
Voilà. On peut le laisser le stream tourner, du coup, c'est pas grave. Et on coupera la VOD. Ouais. Ok. Bon, on fera un petit truc à Draken. Dans ce cas-là, vu que le combat est terminé, je vous laisse parler à... Merde. À Ali Baba Aurum. Je fais juste la fermeture pour YouTube. Et je vais pisser. Non, après, on va faire les quêtes. T'inquiète, je pense que je laisserai même pour YouTube. On coupera cet épisode en deux, c'est pas grave. On fera épisode 28 et 28 et demi. Tu es sûr ? 28, 3, 4. Ouais. Bon, moi, dans ce cas-là, je vais juste pisser un coup. Et je reviens. Eh, va faire pipi. Ouais. Du coup, on rend la quête dans le saloon, c'est ça ? Non, t'as juste à parler à Alibaba. Il est où ? Ben, juste là, à côté de moi. Moi, je le vois pas. Oh. Attends, le nom de la quête. Demande anonyme urgente. Je ne l'ai plus en stock. Bon, tu l'as terminée alors. Donc je l'ai terminée, ouais. Quand tu vas dans tes succès, est-ce qu'elle est cochée ? Je vais regarder. Métier, donjon, général, c'est où ? C'est en quête. Tout en bas. Dans ça arrache. Le plein d'épices. Demande anonyme, c'est ça ? Oui. C'est coché. Bon, ben voilà. Oh putain, il y en a plein de cochés déjà. Bah oui, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Ouais, je pensais pas qu'on avait avancé si vite sur différentes quêtes, en fait. Si. Ah ouais. D'accord, ok. Donc là, en gros, sur le pain d'épices en succès, il me reste des cochés. Faune pimentée, retrouver le fémur, désert de revanche et sans chair et en os. C'est ça. Donc voilà. Ah, oh, on a bien avancé. Beoxys dans le chat général en jeu, c'est qui connaît ici bien le jeu ? C'est Fiera. Directement en jeu, c'est Fiera. Lui. Lui. Bravo. Alors le temps, je commence à mettre du feu. Ok. Qu'est-ce que tu dis, voilà. Comment qu'est-ce qui se passe? Ça coûte que 25 millions, j'ai du mal à engranger plus de 2K sur 2M sur moi. C'est lui ici qui connaît bien le jeu déjà. Lui là-bas. Donc Fiera. Ouais, il a pris Smaradit, l'anneau chevelu. Il pourrait se prendre un anneau rustique, je crois que c'est ça. Rustique. Je pense qu'il est mieux, non ? Anneau rustique. Ça fait quoi là, PTDR ? Ça va les Dalton. Ça va les Dalton. Et en bouclier, il y a plus quand même le bouclier du Captain Amakna, il est mieux, non ? Genre ils sont en bas à gauche les Dalton. En bas à droite. Tant qu'à faire. Oui, tant qu'à faire. On est là, t'as vu ? Mais quoi ? Moi aussi. Je suis cuit. Bah en même temps, ça arrache. Ah. On va parler. Bin. Ah, c'est pour le... C'est pour le collier. Bon. Moi, je fais pas beaucoup de... Je fais pas du tout de PVP, donc je suis plus PVM. Oui, c'est vrai que nous, on fait pas trop de PVP. Ouais. J'en ai fait, mais genre... Attendez, alors juste, longtemps. Excusez-moi. Oui. Mais on a commencé le stream par du PVP, et ça nous a ramené Beoxys. C'est vrai. C'est vrai que grâce à ça... Grâce vous à toi, juste... j'ai la manche. Et venez, on stream. On va faire ça par tous les streams. Allez, on se défie. À chaque stream, on va aux apps de la zone et on fait... Ah putain. Et non, il est sympa parce qu'il avait dit que si tu le battais, il s'abonnait, et au final il s'est abonné alors que tu alors qu'il t'a éclaté la gueule. Mais bon, il a eu pitié. Aïe aïe aïe. Bon. Imagiro, il insiste. Ah ouais, mais complètement quoi. On est là. Si t'as vu, vas-y, je peux m'y joindre. On est là. Bah, je peux m'y joindre. On est là veut dire. Chômage. Je suis au chômage. Je vais inviter Plax et... Vas-y. Et... Top 4 minutes. Putain. Franchement, bravo.
L'autre, il est mort de rire parce qu'il est en train de raconter de la merde à Isric, là. Non, non, c'est une vidéo. D'accord. Bon. Alors, Thomas, okay. Calme-toi, okay, respire, toi. Prends un couscous et un mouton. Attends, donne ton Twitch. C'est bon. Il va sound. Bon toutou. Hé hey. What? Non mais oh, je sais plus pour qui. Ah, il parlait à Droupik peut-être? Je sais pas. Bon, bref. Oui, peut-être. J'espère. Je pense pas. Ça m'étonnerait. En même temps, il est en face de Droupik. Bon, allez, on monte. Thomas, il est mort. Ah ouais, non. On monte. Regarde, en mon... 14-59, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, autant faire les combats chiants des épices, parce que là... Pff. Là, c'est vrai, j'en profite, il fait du monde. Comme ça, au moins. Pas besoin de se connecter à minuit en mode « Il faut faire ça, vite !» Au moins, ils vont les éclater, on n'aura rien à faire. C'est beau ça. On exploite les gens. Miam miam. Les petits gâteaux. C'est le, c'est le principe d'un serveur multicompte. Hein. Non, c'est le principe d'un stream. Monocompte, pardon. C'est le principe d'un stream. C'est tu fais travailler les abonnés. Oh, les pauvres. Et il a encore lancé, mais putain, mais. Mais, vous... mais un jour je vais te taper. Mais je vais te taper. Il n'y a pas tout le monde, je crois. Il y a Plague, ah, si tout le monde est là, ouais. En fait, j'ai dit n'importe quoi. Louis. Mais Louis, il est là? Non, oui. Mais non. Voilà. Bah dépêche-toi, Louis. Mais ça sert à rien, ça va pas le valider pour tout le monde. Et tu vas ouais, pas bon, ok. Putain, il pète. Comment ça se fait, PL? Bou, bou, bou. Ah ouais, on t'a dit de venir, Draken, il y a 5 minutes. C'est vrai, on t'a dit de venir, Draken. Mais bon, si t'as pas envie, je comprends. C'est pas un reproche, attention. Tout le monde va dire ouais, tu fais des reproches. Attends, est-ce qu'il fait bou 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 pour nous huer ou est-ce qu'il fait bou 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 pour pleurer? Je pense que c'est bou 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 parce qu'il pleurait et apparemment il était parti. Bon, c'est pas grave, t'inquiète. Non, mais IRL avant tout, de toute façon. J'ai pas reçu de MP. Non, on l'a dit à l'oral, pardon. Plagues. Vraiment... J'aime beaucoup la phrase de Plagues. L'abonné va établir un devis. Tu vas moins rigoler. Alors, Plagues, y'a aucun souci, je te paye un point Saint-Sivalis. Ça existe plus, je suis tranquille. Ça existe plus. Mais c'est vrai. C'est pas mal. Draken, on a un 14.59 pour le moment. Bah, il le voit normalement si je le sais. C'est vrai, c'est sûr. Enfin, là non, il y a un Phoenix. Bon, ça marche. Je te paye un point Sainte Plagues et tu me rembourses en don Yva Sand par contre. Sur quoi, Thomas? C'est sur quoi? Je sais plus. Allo, Asso! J'ai envie de te gifler. Allo, Asso. Hello, Asso. Hello, Asso. Hello, Moto. Sur Streamlab, je suis numismate dans l'âme. J'aime collectionner les monnaies disparues. Ah, tu fais du numismatisme? Bah, il y en a qui font du numismatisme et d'autres qui font du naturisme. Et d'autres qui font du minimatisme. Il me tarde qu'on aille sur Enutrosaur, mais putain, mais il me tarde. Pourquoi il y a un perso minimatisme dans la poubelle. Bon temps. Mais non. Si, si. Il y a une espèce de mal au trésor qui s'appelle Mimikmatic et tu la jettes dans la poubelle. Et je pense que ce jour-là, quand on l'a fait avec Louis, ça nous a fait la soirée. Si on était, mais pliés. Jeté dans la poubelle. Voulu. Dans la benne à ordures, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, oui. Oh, putain. Qu'est-ce que c'était drôle. Allez, là, qui lance, qui veut. C'est bon, Draken est là. Ah, on l'a pas invité. C'est bon, il est là. On est 28 000 dans le groupe. Aïe, aïe, aïe. Temps fort. Yva Sand fait du combat avec des friends. Ouais, on pourrait le faire. Et du coup, on est combien? On est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, il y a Monica, Chandler, Rob. Quoi? Avec des amis, avec des friends. Je veux pas faire Joey, s'il vous plaît. Il est un peu con. Moi, je suis Phoebe. Phoebe. Parce qu'elle est folle. Ah, elle est complètement tarée.
genre quand même, ceux qui ont écrit Friends, ils se sont dit à un moment donné de leur vie, alors, à cette folle, on va lui faire chanter Tu pues le chat. Tu pues le chat. Genre, Tu pues le chat, c'était balèze quand même. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le phénix, t'as vu le mouvement qu'il a fait? Oui, oui. Je... Mais pourquoi il a fait ça? Je sais pas. Ah ouais, mais ils ont 18 PM, j'avais pas vu. Donc ouais, il peut se l'autoriser de faire des... j'ai déjà fait ces quêtes, par contre, il me manque la caisse de pommes et tuer les... Les léoliennes. Ah, les léoliennes. Bon, on pourra t'aider, si... enfin... On peut t'aider, ouais. Si les gens veulent bien, on peut t'aider à le faire. Ouais. De toute façon, ouais. Non, on est parti pour faire toutes les épices pourries. Non. On est parti pour faire les épices à la con. Parce qu'il faut faire le combat bah, 3-4 fois. Et après, oui, enfin, je pense qu'il y en a un qui va devoir quitter. En fait... Bah, c'est simple, à 18h pile, je m'en vais. Est-ce que dans ce cas-là, on ferait pas d'abord les épices pour toi, et après, ceux qui sont là peuvent continuer. Oui, bah, c'est pas un souci. Moi, dès que je pars, et après, si vous voulez continuer un peu, vous continuez. Même si vous voulez faire continuer un peu le stream, c'est pas grave, je couperai. Non, parce que bah, je vais arrêter aussi à un moment donné, mais... Je pense que ce qui est beaucoup plus cool pour toi, ce serait ça, quoi. C'est qu'on fasse les épices pour toi en premier, vu que tu dois partir. Et après, on finira nos épices, ouais. Et on essaiera de faire les quêtes pour Draken, okay. Quoi. Mais parce aussi, que, ouais, c'est l'éolienne tout seul, je peux comprendre qu'il est pété un plomb. D'accord. Il y a Beoxys dans le chat qui dit « Dites-vous, si vous avez besoin d'aide sur les combats autour de ce zap, vous demandez et vous trouverez... » C'est gentil, peut-être. Merci beaucoup. Bah déjà le stream c'était 15h-17h, oui c'est vrai, mais on s'est tellement enjaillé avec des... J'ai vraiment utilisé ce mot. Bah c'est bien. Non, je suis pas jeune. Bah pourquoi? Enjaillé. Mais je me fais bientôt vieux, d'accord. Bon. Et toi? Donc ouais, on a trouvé des gens sympas. Après c'est pas très rare, hein. Le peu de discussions qu'on a eu sur le jeu, les gens étaient... Ouais. Non. Ça fait plaisir. Non, putain, mais t'es chiant, toi aussi. Juste par curiosité, Beoxys, tu as quel âge? Et là, c'est le drame. Je vais essayer de me rassurer, en fait. Non, non, je te dis, il a 19 ans et tu vas chialer. J'ai 12 ans. J'ai 12 ans, je m'appelle Jean-Pierre. J'écris des chansons pour Stromae. 18, et bim. Oh, mais chier, quoi. Ouais, j'y vais, hein. Blax, il a 64 ans. Non, il a pas 64 ans, en fait. Non. Tu sais quel âge il a. À peu près, je me souviens plus exactement. Mais... Aïe, aïe, aïe. Ah, vous êtes devant. Ouais. Bah, ils essayent de casser les fesses des phénix. Hein. Alors, là... Le monzo file sa phrase. Ouais. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Oui, je cherchais à déplacer l'interface qui me gênait. Pourquoi me dis pas qu'il a parié que la commu d'Ophus c'était des enfants? Non. J'ai pas parié, je l'ai dit. C'est pire. Il a dit plusieurs fois que le jeu était fait pour les enfants. Et il a fallu qu'on lui explique 20 millions de fois que non. Con de chaton. Ah ça oui, il est complètement con, chaton. On est d'accord. Bah écoutez, il m'écoutait pas. J'essayais de l'éduquer, mais... Mais c'est ça qui est bizarre, c'est moi, j'ai le contrôle sur mes invocations. Ok, tant mieux. Avant, c'était pas le cas. Les sacrieurs ont le contrôle sur les pévoras. C'est quand même bizarre que toi, le chaton, tu puisses pas le contrôler, cela dit. Ah non, il fait ce qu'il veut. Mais oui, mais c'est bizarre. Même les sadidas, ils peuvent contrôler leurs poupées, non? Ils n'ont pas fait sur toutes les classes encore. Bah, je trouve ça bizarre. Parce qu'ils refont une refonte progressive de toutes les classes et... Tu peux pas contrôler ton masque? Non. Oh merde. Tu le folles? Il reste quelqu'un pour les épices? Oui, c'est moi, je crois. Pour les phénix. Un chaton n'a ni dieu ni maître. Oui, c'est vrai. Alors attends, je regarde mon journal de quête. Le chat à côté, nous c'est entièrement faux. Nous sommes 120 dans la guilde. Oh putain, il y a deux mecs de moins de 18 ans et notre meneuse a 32 ans. Oh, ma meneuse, à l'époque, elle en a. Maintenant, elle en a 45, je crois. Elle était maman de deux enfants et tout. Bon, bref. Vous pouvez me rappeler le nom de la quête? Alors, on est sur Faune Pimentée. Est-ce que tout le monde a fait les phénix? Ouais. Oui. Bah, y'a que moi en fait.
Bon, bah on va faire le Fenex vite fait pour moi, s'il vous plaît. Parce que je suis un égoïste. Et après, on va partir sur les deux épices de Jake. Comme ça, au moins, il pourra partir en toute tranquillité, quoi. Enfin, au moins, t'auras rien qui te retient, quoi. Mmh. Donc, ça sera pas cool. Votre amitié me retient. C'est très gay comme phrase. Mais non, amitié. Non, c'est très gay. Amitié, respect. Ou alors, ça serait complètement la famille dans Fast and Furious. Voilà. Ok. J'en ai vu aucun, donc. Ben, en fait, j'en ai vu. Deux, je crois. J'ai vu le 1 et j'ai vu le 6. Au ciné en plus, putain, quelle heure. Je sais pas si c'était le 6 ou le 7 que j'ai vu. Et oui, c'est beaucoup la famille. Ils sont tous potes. Enfin bon, bref. C'est sacré, la famille. Un bon film de kéké. Désolé pour ceux qui aiment ça, mais bon, c'est pas du tout ma tasse de thé. J'allais dire autre chose de pire, donc... Ouais, mais moi, je suis sympa. C'est pour ça que j'ai juste dit kéké. Après, on peut dire qu'ils viennent tous du pays de Draken, mais bon, ça serait encore... Voilà. Le pauvre, il va nous insulter. C'est pour rire. C'est une blague. On est vraiment dans une... Katsudara vient de rejoindre le combat en spectateur. Ouais. Katsurada, il se dit, attends, mais pourquoi ils sont 8? Qu'est-ce qui se passe ici? Aïe, aïe, aïe. J'aime bien faire des libérations alors que ça sert à rien, tu vois. Voilà. Et on se calme. Joe Lopez, le gitan, lui aussi privilégie la famille. Oh merde. Oui, c'est vrai, ils sont très famille, c'est un fait, donc... Oui, et j'ai même une fun fact, enfin, pas fun fact, on va dire juste un fact. Apparemment, quand il y a un décès dans les familles gitanes, ils mangent des hérissons. Ils sont interdits de manger de la viande et d'écouter de la musique pendant une semaine. D'accord. Voilà. Okay. Maintenant, vous le savez. Bah écoute, ouais, c'est... Oui, c'est leur tradition, ok, pourquoi pas, c'est étrange, mais pourquoi pas, ça se respecte. Il y a un décès, ils mettent le corps dans une caravane et ils la brûlent. Ça m'étonnerait quand même. Ça dépend des... Brûler la caravane, que... même... Ouais. Ah ouais, je savais pas qu'il y avait des familles qui... Un reportage, ils avaient même appelé les pompiers pour encadrer ça. C'était un reportage, du coup, ils devaient prendre des précautions. Ah ouais. Je sais pas. Putain, c'est fou, ça. Ouais. Bon. Rendez-vous en 17-59, c'est ça? Oui. Ok. Ouais, c'est ça. 17-59. Ah, Katsurada, c'est un ami à Beoxys, apparemment. Ok. Bah, il veut se joindre à nous. Il veut juste regarder. On va démonter les mobs. Peut être plus vite. Ah, y'a Max le fou. C'est qui? Un PNJ qu'il faudra péter plus tard. D'accord. On le fera plus tard, ça. Max le fou. C'est bon, tout le monde est là? Allez. On fait l'appel? Comptez-vous. Bah allez dans ma main l'appel. Ah oui, c'est l'appel Majma. Non, c'est plus l'appel Majma. L'appel Majma. L'appel Majma. 1. Pourquoi 1? Il a pu dire 1 s'il s'emmerdait. Mais non, c'est une référence à Monty Python, je crois. Ah. Mais non, il se compte. T'as dit comptez-vous. Ah oui, comptez-vous. Bah oui. Putain. Moi je dis plein de conneries, vous savez. Je suis même plus les conneries que je dis. Ça va loin. Putain, mais Plax il fait aucun effort quand il a chié le châle. Ouais. Tu vois, il s'est compté. Ouais, il s'est compté. Est-ce que tu t'es lassé tes chaussures aussi? Oh bordel. Et je suis rassuré, je suis bien là. C'est pas mal. Mais non, mais c'est une autre référence, ça, je crois. Genre, ah, je suis là, je me sens rassuré. Oh, elle veut faire un câlin. Oh, elle a perdu la tête. Mais ça m'avait beaucoup fait rire dans Diablo. Un mec qui parle de sa femme alors qu'elle est décédée à côté de lui, et puis je sais pas, il la caresse ou quoi, sa tête qui tombe, elle fait « Oh, elle a perdu la tête ». Ah. Mais c'est ouais. Drôle. Non. Mais si. Non, c'est bon, j'ai fini tous les combats. T'as fini tous les combats? Oui. L'équipant. Oui, allô. Oui. Qui me parle? Il va, vous êtes là? Oui. Ah bah ça me l'a validé aussi.
moi je l'ai pas l'éolienne. Bah lance. Bah non, on va faire d'abord ton scorpion bleu. Bah si c'est aussi rapide, franchement, lance. Bon, d'accord, ok. Je lance. Pax, a encore des lacunes pour les lacets. Ah, tu fais encore des scratchs. T'as les chaussures à scratch. Ah, ouais, j'en avais quand j'étais. J'ai un SMS de Micromania qui dit. Smesme. Eh, jouez à Xenoblade Chronicle pour 20€. Eh, vous avez un nouveau bon d'achat de 10€. Merci Maxime. C'est trop moche, mais c'est très bien. Aïe. Bon, moi j'ai fini la quête. Plax a refait échouer le challenge. Mais tu sais jouer au jeu? Ah, c'est drôle. Ah, mais oui, mais j'avais pas vu que lui depuis tout à l'heure il faisait le truc dans son coin. Mais quel salaud quoi! Non, il sait pas jouer au jeu. C'est pour ça qu'il est. C'est pour ça que déjà, 1, il a pas d'argent. 2, sa monture est immonde. Elle est trop rigolote, sa monture. Ah, j'aime pas les mules d'eau. Genre, vraiment, je les aime. Bah, elle est moche, mais elle est rigolote. Hein. Ah, j'ai vraiment du mal avec les mules d'eau. Autant les volcans, je les trouve vraiment jolis, pour le coup. Mais alors, les mules d'eau, j'ai du mal. Hein. Voilà. Pourquoi voilà? Alors... Non, sa monture voilà. Est dégueulasse. Quel enfoiré. Ah, c'est drôle. Et il manque Thomas pour l'éolienne. Bah vas-y. Sa monture est dégueulasse. Je trouve ça très drôle. Hop, on va le mettre comme ça le chat parce que j'ai des lignes qui sautent. Ça me fait vraiment chier. Moi, il m'a panneau pic-pic. Mais la panneau presse-pic, moi, elle me tient à cœur. Hein. Genre, j'aime beaucoup cette panoplie. Troisième châle pété incoming. Ah bah bravo. Eh bah bravo. Non mais on jouera plus avec Plax. C'est plus possible. Je l'ai pas Mimibiote pour rien. Ah t'as Muldo toi aussi. C'est quoi Mimibiote? Alors Mimibiote c'est... Non, ça fait de presque qu'il a Mimibiote. Ah d'accord. Genre, Mimibiote, c'est l'équivalent de la transmogrification dans WoW. D'accord. Genre, utiliser l'apparence d'un item sur un autre. Ok. Voilà. Bah, c'est ce que j'avais fait pour ma coiffe. Oui, bah, c'est... À peu près, ouais. C'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près le même fonctionnement. Ok, bah, pour ici, c'est bon. On monte en 18-61. Et après, on est dans la quête. Je joue les saboteurs. Bizarrement, ça m'étonne pas de toi, Plax, t'as pas changé. Hein. On s'approche de la vraie fin. Pour... Merci de nous suivre, franchement, c'était super cool ce stream. On a Discord, donc pareil, vous pouvez rejoindre Discord et pour être notifié, il y a les réseaux sociaux et compagnie. Et voilà. Donc on va restream, ouais. Vas-y, commence. Je vais chercher la créature qui était devant moi. Bon, ah bah c'est vas-y. Magiro. Bravo. Il y en a que deux? Ah non. Mais il est où le 3? Ah putain, j'avais pas vu. Où suis-je? Je suis là, d'accord. Où suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Comment vont-je? Donnez-moi des nouvelles de moi. Donnez-moi des nouvelles de moi. Je fais n'importe quoi avec mon chat. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti de vidéo, eux. Bah ils sont en vacances. Vous voulez pas on fait deux par deux au pire? Bref. Ouais. Ouais. C'est mieux. Pour le dernier on va faire Jacques d'un côté et moi de l'autre. Ouais. Et après on va aider Draken à faire les éoliennes et la caisse de pommes. On t'oublie pas Draken. T'inquiète pas. En principal le châle devrait être respecté. Duel. Bien joué. Mais c'est pas grave, c'est une vanne. J'ai été d'une utilité. Bon, moi je vais lancer le combat de mon côté et Guillaume tu fais pareil et puis chacun se... Ouais. Scorpion. Comment ça s'appelle? On se départage. Ok, je lance sur...
Ah, il y en a 3. Je vais me mettre là. Je crois que personne nous aime. Pourquoi je suis avec Blax? Le pauvre, il va croire que je le déteste alors que c'est pas vrai. Il va me tuer. Non, mais... Attends, on va essayer de faire ça rapidement. Le pauvre. Ah, aïe, dommage. Aïe, aïe. Voilà, c'est fini. Il est toujours ta clé. Ah, mais non, il est invisible. Ouais, mais il est invisible dans la glyphe. Est-ce que ça, quoi, ça fonctionne pareil? Ouais, ça fonctionne. Non, c'est pas pareil. C'est... Je peux le taper aussi, je pense. Merci Beoxys pour l'aide pour ce combat. Et Draken aussi du coup. Et chose là-bas. Mais non. Levez-vous là-bas. Dites où va avec le délai de stream. Dites où on va. Ben là, on a fini les combats. On va partir sur tes pommes ou tes éoliennes, dis-nous. Donc, voilà, soit la caravane, fort, soit la caisse de pain. C'est marrant. Comme ça, au moins, tout le monde est aidé, tout le monde est. Et bien, croisé Fira. Voilà. Ok. Bon, on va s'approcher de la caravane. Ok, donc c'est au-dessus du zap, si je dis pas de bêtises. C'est parti. Ouais, juste au-dessus du zap. Ok, donc on te rejoint. On n'est pas tous arrivés, mais montre rejoint. Ouais. Ah oui, c'est plus du tout la même disposition que la première fois qu'on l'a fait, ce combat. Oula, ah oui. Avant, ils étaient collés, c'était beaucoup plus pratique. Là, c'est la foire à la saucisse. On va attendre un petit peu. Ouais, voilà, il y a Blax qui arrive. Majiro, il s'est barré parce que c'est un salaud. Fiara, pareil. Bah là, il y en a 8, donc vous auriez pu jouer. Ah. Mais bon, c'est pas grave. Apparemment, il y a des potes à Beoxys qui ont dit « Je pense pas que tu sois seulement mon pigeon. » Ah, tu as trahi quelqu'un, alors. Ouais, t'as trahi... ton aide envers quelqu'un ou... C'est pour ça qu'il s'est fait ban. Ah, c'est pour ça. C'est parce qu'il aidait les gens, putain, c'est vrai. Ouais, c'est un bon reflet de la société au final. Hein. Ouais. Putain, oui. Eh, hey, t'as de la gens, t'es banni. Ok. Vous connaissez les chats faire crit? De quoi veux-tu parler? Est-ce que c'est une guilde? Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est un groupe de musique? On appelle ça un band de bienfaisance. Au final, j'ai pas joué. T'avais raison. J'ai pas son tout. Ils font plus de dégâts que moi. Je peux vocal avec vous? Après le stream. Genre, on a bientôt fini. On fait ça, la caisse de pommes, et oui, pourquoi pas. Genre, pour le stream, on essaie de réserver... Rejoins le Discord, déjà, ça sera fait. Ouais, rejoins notre Discord Ivazoon de Studio. Mais qu'est-ce que t'as posté, Thomas, dans le même? T'as l'air dégueulasse. Ouais, c'est un poulpe, non? Ou un crabe? Quoi? Je sais pas ce que c'est. J'ai juste vu le... Moi aussi au début j'ai cru que c'était un truc dégueu mais en fait non. On verra. Ça fait du bruit. Et ça dure une seconde. Ah. C'est pour ça que j'ai rigolé tout à l'heure. D'accord. D'accord. You're scary.
Oh, le lag. Voilà. Tu fais des dégâts, toi, maintenant, c'est fou. J'essaye de servir à quelque chose. Je me fais chier, regarde où, là, où. Bon, après, ils ont 42 de résistance en air, mais quand même. Je me fais chier. Ah. Alors qu'on accueille Boxis dans l'accueil de... Du Discord. Discord, ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a sur ce Discord? Il y a du blabla, de tout, de rien, des mèmes, beaucoup de bons plans concernant des jeux vidéo notamment, plein de jeux gratuits, c'est quelques vrai. Concours de temps en temps, ça fait longtemps d'ailleurs. Voilà. Ok, on va faire ta caisse de pommes maintenant, Draken, et puis on va arrêter là. La caisse de pommes, elle est... je sais plus. Elle est au-dessus, ouais, c'est ça. Elle est en 14-60, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. 14-60. C'est stylé, ce système. Allez, hop. Donc, oui. Ouah, mais comment t'as fait? T'as changé la place de la caisse. Mais t'es trop fort. Est-ce que t'as appuyé clic droit? Non, c'est clic gauche. Je sais. Je sais, c'est juste pour embêter Thomas. Après ce combat, j'arrête aussi. Ok. De toute façon, on va faire la fin tranquille, et puis voilà. Oui. Je vais mourir, non. J'aurais dû mieux anticiper. Qu'est-ce que tu fais, Thomas? Une quête où il y a un combat seul. Oui, elle s'appelle comment? Elle s'appelle... Attends, l'écran se charge parce que j'ai perdu. Désert de revanche. Ah! Bah, je crois que tu pourras pas la faire, ça. Attends, c'est ça là ou pas? Ou il faut 7 d'initiative? Non. Non. Désert de revanche, t'as dit? Ouais. Ah, c'est pas la plantation de cactus. Osman et l'Ouroboros? Ah, c'est ça. Ça se fait seul, ça? Oui. Ouais, le combat, il se fait seul. Merde. Oui, je suis mort. Mais il est prenable, hein. C'est juste que j'ai mal joué mon deuxième tour. Ok. Mets-toi en vocal quelque part, Beoxys, sur l'histoire, comme ça, dès que c'est fini, je te switch directement. Ouais. Je viens de trouver une poubelle avec 7759 blés dedans. C'est une blague. Ça me taille de moule pour les poubelles. Mais vite, je peux pas te prendre. Vite, t'as de la veine, pars de suite à la poubelle magique. Poubelle magique. En vrai, elle était sacrément magique avant. Ouais, c'était avant. Ouais. Non, elle est déjà utilisée. Il y a un crâne nul. Et avec plaisir, Draken. Avec plaisir. Genre, en fait, même si t'as des problèmes parfois, Draken, et qu'on est dans le coin et qu'on est, on va dire, sur les quêtes et que t'as besoin, on peut essayer de poser, entre guillemets, un rendez-vous si t'as besoin d'aide ou quoi que ce soit. Ouais. Autant essayer de s'entraider au maximum. Hein, j'ai Google Agenda ouvert. J'ai Google Agenda. Pour de vrai, il est ouvert en plus. Aïe, aïe, aïe. Bah, il y a écrit hein, 15h, 17h, stream Dofus, 14h au-dessus, vente le bon coin, 18h, kiné. D'accord. Hop là. Mais qui jette ça dans une poubelle? Mais qui a assez de potes pour transporter ça? Même moi, j'en ai pas assez. En fait, quand il y a autant de choses dans la poubelle, tu ne peux pas tout prendre ça d'un coup, c'est ça? Ça dépend de ton sac à toi, en fait. Mais donc là, il ne peut plus rendre que la capacité qui est de son sac, c'est oui. Ça. Mardi en vie. Mardi. Quoi? Non, il pose un rendez-vous, Draken. Ah, d'accord. Allez, mes crânes nuls, là! Pas cette pod! Allez, mais non, c'est la fin mardi, du fight. C'est un 9 en plus. En plus. Ah bah oui, parce que lundi 8, tu dois venir par ici, toi. Ouais, et jeudi 11, tatouage. Eh ben, courage. Ouh, et le 9, moi, tatouage. Mais attends, il y a Thomas qui souffrira avant moi, de toute façon. Ouais, mais courage, moi, j'entends. Parce que moi, j'ai peur. Oh. Ouais, j'ai peur d'y aller, mais bon, c'est pas grave. Bon, on finit. Donc c'est bon, on est à jour pour tout le monde là? Ouais, on est à jour pour tout le monde, donc c'est cool. Bon,
Eh bien, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis cet après-midi. C'était vraiment cool, genre d'avoir un peu de d'interaction comme ça. C'était vraiment sympa. Donc, merci à tous d'avoir suivi. On vous fait des bisous et on vous dit à très vite. Et n'oubliez pas Facebook, Twitter, tout le bordel, Discord pour le prochain stream. Mais pourquoi, normalement, pourquoi tu me donnes ça, le prochain stream, c'est demain après-midi pour du Minecraft Dungeon. Voilà. Demain 15-17, le Minecraft Dungeon. Et donc, Yakipon, moi-même. Et ce sera avec Draken et Ralgamaziel en jeu avec nous. Allez, on vous fait des bisous, je coupe le stream là. Bisous. Ciao. Amity Blacks.